Oui, cet objet m'est familier dans le cadre de, de mon travail de thèse, puisqu'en fait, j'essaie d'écrire de, de, ce qu'on pourrait appeler une histoire environnementale de l'agriculture dans le terroir marseillais au XIXe siècle. Donc, de ce point de vue, en fait, je m'intéresse à la toute fin de l'histoire de cette plante, et encore dans un seul des nombreux écosystèmes qu'elle a pu occuper. Pour moi aussi, cette aubergine, elle est intéressante, parce que je m'intéresse euh, aux relations. Territorial qui se crée entre la ville et la nature, et plus particulièrement entre la ville et l'agriculture. Alors, en tant que géographe, ça questionne bien entendu des dimensions spatiales, économiques, écologiques, mais aussi des dimensions culturelles et alimentaires. Mais en fait, euh, l'histoire de. Enfin, l'association entre l'aubergine et euh, la, la cuisine provençale ou méditerranéenne, elle est assez récente en fait au regard de l'histoire de cette plante. C'est-à-dire que. Sans même évoquer l'histoire évolutive avant la domestication par les humains, on peut constater que c'est une histoire qui est longue de plusieurs millénaires et qui est aussi une histoire mondiale, puisqu'elle démarre dans une région qui est comprise entre la Chine et l'Inde, elle passe par le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, puis arrive en Europe, en Andalousie, vers le Xe siècle. La culture de l'aubergine, à proprement parler, elle est attestée en Provence au XVIIe siècle. Et c'est un, un produit qui se retrouve sur les marchés parisiens dans les années 1830. Donc à cette époque, en il fait, y, y, y a différents synonymes qui coexistent pour la désigner. Donc il y a des locutions savantes en latin, il y a des termes d'usage plus courants comme aubergine ou melongène qui a disparu. Et euh, à Marseille plus spécifiquement, il y a l'expression donc de, de Meringiano et euh, celle de Viedaille qui, est en fait, euh, qui désigne l'aubergine mais qui est aussi une insulte synonyme d'abrutis en fait. Donc on voit bien qu'entre cette histoire mondiale et son inscription locale dans la culture et notamment dans l'alimentation méditerranéenne, ce fruit, parce qu'il s'agit bien d'un fruit, questionne énormément de choses. Et moi, en tant que géographe, ça m'interroge parce que cette aubergine et sa production réinterrogent. Euh, la réintroduction de formes d'agriculture à l'échelle territoriale des métropoles notamment, mais aussi, et ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est de voir comment euh, finalement on a des formes d'agriculture qui euh, réintègrent euh, la ville dense, euh, notamment par des formes d'agriculture urbaine de euh, euh, d'amateurs, de jardiniers, mais aussi de formes d'agriculture urbaine de professionnels par des micro-fermes urbaines, et finalement cette aubergine Là, nous parle de cette relation territoriale qui se retisse aujourd'hui. Derrière l'apparente unité de la culture culinaire méditerranéenne, en fait, se cache une énorme diversité. Diversité, notamment, euh, cette, euh, cette euh, aubergine qui, pour nous, euh, euh, vraiment a une l'aspect d'une aubergine classique par sa forme par sa taille par sa couleur finalement il y a une énorme diversité diversité qui renvoie à des coexistences qui sont plus ou moins pacifiques notamment parce que il y a des concurrences très, formes, très fortes entre les bassins de production et finalement cette aubergine renvoie à une diversité de modes de production qu'ils soient écologiques euh, biologiques ou très conventionnel à une diversité d'acteurs humains d'agriculture et d'agriculteurs notamment puisque finalement derrière cette aubergine peut se cacher des acteurs de l'agro business comme des petits paysans voire comme je l'ai dit des jardiniers urbains qui vont produire pour eux mêmes cette, cette aubergine et Finalement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que les sociétés urbaines, derrière euh, les, la réinterrogation qu'elles ont euh, des questions alimentaires et des questions agricoles, finalement, se réinterrogent sur ces coexistences qui se cachent derrière leur achat et leur, leur acte d'achat et leur acte de consommation. En fait, sur ce, sur ce thème de la coexistence, ce qu'on peut constater euh, à l'échelle de l'histoire de l'agriculture à Marseille au XIXe siècle. C'est que en fait, euh, l'aubergine, c'est resté une denrée assez chère, euh, assez, assez longtemps en fait, euh, notamment parce que sa culture suppose des parcelles qui sont irriguées, ce qui est, ce qui est plutôt rare et assez marginal dans le terroir marseillais euh, avant l'arrivée des eaux de la Durance. Et donc, c'est vraiment euh, à la faveur en fait de la construction de cette grande infrastructure hydraulique au milieu du siècle, en lien avec un mouvement plus général d'affirmation de, des états administratifs sur leur territoire, les conditions de la culture à Marseille vont être bouleversées. Et donc euh, euh, après le canal on passe notamment de ce qu'on a pu appeler euh, la triade méditerranéenne, donc euh, c'est des vignes, des oliviers, des céréales, à un développement euh, du maraîchage. Le lien que je peux faire entre euh, cette aubergine et, euh, et d'autres objets d'études, euh, ce serait notamment les, les, la série en fait, de cartes et de plans historiques du terroir marseillais qui sont conservés au Musée d'Histoire de Marseille et qui montrent bien en fait... Euh, la permanence de certaines formes urbaines qui sont encore lisibles sur le, sur le, le cadastre actuel par le découpage du parcellaire. C'est par exemple le cas de certains domaines bastidaires qui ont, qui ont fourni en fait des réserves foncières pour l'urbanisation de la ville jusqu'à assez tard dans le XXe siècle. Il faut savoir que en fait, ce découpage des domaines bastidaires, c'est une histoire longue puisque avec l'arrivée des eaux du canal dont je parlais tout à l'heure, il euh, y a déjà un premier découpage en fait en jardin euh, et en potager euh, maraîcher euh, par les, euh, en, en aval du, du canal. Je suis d'accord avec toi, cette aubergine elle renvoie à cette série de plans, de cartes historiques qui nous parlent à travers l'histoire de l'existence de ce terroir, de ce terradou comme on disait en Provençal et qui aujourd'hui est réinterrogé par de nombreuses initiatives d'agriculture urbaine qui finalement sur les reliquats de la banlieue agricole sur laquelle on travaille tous les deux, dans des temporalités différentes finalement, réinterroge à travers l'histoire ce rapport de la ville à son agriculture.